Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans les Pochettes. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite du Traveler Notebook. Donc nous en sommes à la partie 4, et comme je ne vous l'avais jamais dit jusqu'à présent, parce que je ne savais pas moi-même, sachez qu'il y aura 5 parties à cette vidéo, donc c'est l'avant-dernière vidéo, et on finira le Traveler la semaine prochaine. A tout de suite! Alors comme vous le voyez, cette page est relativement simple, c'est juste deux photos carrées que j'ai positionnées en bas à gauche et en haut à droite, et puis sur l'espace qui reste, je décore avec les die cuts toujours du kit planeur, et voilà, et puis je vais faire quelques tamponnages. Donc là j'ai collé quelques die cuts et je vais utiliser la planche de sticker fournie dans le kit. Alors pourquoi je colle mon sticker sur du papier blanc? C'est tout simplement que les stickers sont fins et du coup si je colle directement le sticker sur mon papier et sur mes embellissements, ça va faire des petites bosses. Voilà, c'est un peu disgracieux, bien que pas tout à fait gênant, mais en tout cas voilà, pour éviter ce problème là, j'ai collé sur du papier blanc que je viens ensuite découper et au moins ça me fait une sorte de die cut. Et donc ensuite je finalise en collant quelques stickers, un petit tamponnage et je note le journaling pour cette photo. On passe ensuite à la page suivante sur laquelle je viens coller une grande photo qui prend quasiment toute la hauteur de la page. Bon, je me suis un peu trompée au niveau de mes dimensions, du coup ça fait un petit cadre blanc tout autour, c'est pas plus mal finalement. Et puis sur cette photo je viens coller un petit sticker transparent et pour la déco je reprends mon petit renard que je vais venir coloriser avec les feutres à alcool Nuvo.
Donc là, je prends un feuillage d'une des planches. C'est une planche de Béatrice Garny que je viens colorier avec la même teinte que mon petit renard. D'ailleurs, je dis que c'est un renard, mais ça n'est pas vraiment un, parce qu'on sait tous que les renards n'ont pas des cornes. Et moi, mon petit renard a des bois. Voilà, je colorise avec la même teinte et ça va me faire un rappel sur ma page. Ce orangé sera un petit peu en haut et un petit peu en bas. Et au moment où je monte cette vidéo, j'ai ma petite Pauline sur les genoux qui me demande pourquoi je n'ai pas colorié les cornes du renard tout à l'heure. Et en fait, très bonne question, ma petite Pauline. que tout simplement, je voulais pas trop surcharger en couleur ma petite bestiole, mon petit renard. Donc voilà, j'ai laissé en blanc les cornes et je trouve que ça va plutôt pas mal. Alors attention, ma petite Pauline a un message à vous faire passer. Bonjour, c'est Pauline. Je vous souhaite une belle journée. Voilà, et bien sûr, mon petit cœur de maman a craqué. C'est trop mignon. Et on va passer à la dernière page de cette vidéo où j'ai eu la chance de trouver un papier qui était en accord parfait avec la veste de Grégoire. Et du coup, je trouve que ça rend super bien ce petit rappel. Voilà, si dans vos papiers vous avez des couleurs qui correspondent comme ça, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, c'est sympa. C'est bien de... Alors, je crois que j'en avais déjà parlé, mais moi j'essaye de... jamais dépasser les trois couleurs trois couleurs principales sur une page, histoire de pas avoir un effet trop bariolé. Même si là, ce kit planner, il y avait beaucoup de couleurs, mais bon, après, à vous de respecter deux ou trois couleurs sur chaque page, en tout cas deux ou trois couleurs principales, parce qu'après on a toujours des dégradés, donc ça rajoute un petit peu des tons, mais voilà, la clé aussi, je crois, de faire des pages un peu harmonieuses, c'est de pas trop s'éparpiller. Bon, et sinon, pendant que je vous laisse regarder cette vidéo, enfin la suite de la page, j'ai eu des nouvelles, des nouveautés de Heidi Swap. Vous savez, je vous en avais parlé, ça fait un petit moment que je vous en parle. Et vous avez été quelques-unes à me dire, bah alors les nouveautés Perrine, bah oui, sauf que mon fournisseur était en pleine restructuration logistique. Donc ma commande, au lieu de partir dans un délai d'une semaine comme c'est d'habitude, bah, là, elle a pris 3 semaines à partir. Voilà, et donc... Donc j'étais un peu déçue parce que moi j'avais espéré aussi commencer mon nouveau, mon nouveau storyline pour 2020. Mais normalement j'ai reçu ce matin le lien de tracking, les colis devraient arriver vendredi. Donc le temps de récupérer les colis, de tout enregistrer, de mettre en ligne, je pense que début de semaine prochaine, donc on sera aux alentours du 24, 25, 26 février là. Je pense que ça devrait être bon et que les nouveautés devraient être en ligne.
Et du coup, ma commande aussi pour mes kits mensuels a également pris du retard. Donc là, j'espère. Là, c'est plutôt mal barré, mais j'espère les avoir assez vite avant le 28, en fait. En même temps que je le dis, je pense que c'est mort, mais bon. Du coup, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, on se voit mercredi prochain pour la suite de ce traveler. Bye bye!